Coucou vous, comment ça va? Alors aujourd'hui, je sais pas, mais moi ça pétille, je m'amuse. Je viens d'essayer, alors il y a longtemps que je filme avec cette même application, mais j'ai jamais essayé les effets, les teintes, les trucs. Alors de temps en temps, je mettais un cadre, mais ou des petites décos, mais là je me suis dit, tiens, allons dans la créativité, faisons différent. Donc je rigole intérieurement, parce que je trouve ça trop drôle de ce qu'on peut faire, comment on peut. Enfin voilà. C'est mon enfant intérieur qui est nourri. Et mis à part ça, blague à part, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, Pascal, que vous vous êtes bien amusé, que les personnes qui sont confinées, qui ont dû rester dedans, que vous avez trouvé quand même à l'intérieur de vous un moyen de nourrir votre enfant intérieur, de nourrir votre joie, votre pétillement, plutôt que de regarder la télé, les infos. Et tourner en boucle par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, vraiment retourner à l'intérieur, puis permettre à la joie d'exister. Pour les personnes qui sont en semi-confinement comme nous en Suisse, ben, le temps était juste magnifique. C'est vrai que moi, j'ai été me balader dans la nature, dans un endroit où j'allais quand j'étais gamine, et je riais parce que. J'avais envie de dire, j'ai été faire danser les arbres et faire chanter les oiseaux, mais c'était vraiment ça où j'ai été écouter de la musique que j'aime, très douce, assez sympa, au milieu de la nature. J'étais avec une amie et on s'est bien amusé, c'était vraiment génial. Donc j'espère que les personnes en semi-confinement, vous aussi avez-vous pu prendre ou vivre un moment dans un endroit qui vous plaît, qui vous fait vibrer et qui vous reconnecte à votre enfance ou à l'enfant intérieur. Parce que dans des moments comme on le vit actuellement sur la planète, c'est super important. Aller dans sa créativité, aller dans sa joie, nourrir le pétillement, nourrir la bonne humeur, nourrir ce qui nous fait vibrer, ce qui nous anime. Plutôt que nourrir la peur et la colère. Et ça, je le précise parce qu'on l'oublie trop souvent. C'est comme l'histoire du loup, le loup blanc, le loup noir. Alors, je ne la sais pas par cœur, mais en fin de compte, c'est quel loup vous choisissez de nourrir. Et à l'intérieur de nous, c'est la même chose. Et ça, c'est important d'en prendre conscience et de le relever. Mis à part ça, je vous avais promis un tirage pour Pâques par rapport au, enfin un tirage au lapin. Alors, je sais qu'il y a plusieurs traditions. En Suisse, ben, c'est les lapins de Pâques, les lapins en chocolat qu'on cache. Alors, je ne sais pas, en France, on pourrait arriver avec l'agneau pascal. Alors, on l'a aussi en Suisse, mais ça dépend des régions et un peu moins peut-être qu'en France. Mais je trouvais que le lapin était intéressant dans son message et dans son intégration, activation. Déjà, je vais vous lire le tarot de la sagesse animale de Ted Andrews. Le message du lapin. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Et quel est son enseignement dans ses forces, dans ses aspects animaux? Et quelle transformation il va nous permettre de faire? Ou qu'est-ce qu'il va nous amener en l'activant en nous, en lui permettant de vivre à l'intérieur de nous, dans notre jardin qu'on est en train de planter, plante après plante? N'oublions pas le monde animal qui est super important aussi et qui amène à la vie et dans un aspect alchimique qui va aller travailler dans l'ADN ou dans la grille ADN comme moi je le dis ou dans le plan animal. Alors, le lapin est étroitement lié au cycle lunaire. Moins de 28 jours après leur naissance, les lapereaux sont en mesure de se débrouiller seuls. Lorsque la lame du lapin sort dans un tirage, c'est signe que nous n'aurons pas à investir beaucoup de temps et d'efforts dans notre activité et nos démarches avant de savoir quelle tournure elles prendront.
Et souvent, les lapins présentent une ambivalence symbolique et évoquent le plus souvent l'idée de la peur. Cela s'explique par le fait qu'ils ressentent figés sur place en présence d'un prédateur ou s'ils sont surpris. Donc ils restent. Oh, voilà. Je relis. Cela s'explique par le fait qu'ils restent figés sur place en présence d'un prédateur ou s'ils sont surpris. Il ne s'agit pas d'une réaction de peur, mais plutôt d'un mécanisme d'adaptabilité. La plupart des prédateurs repèrent leur proie potentielle par le mouvement. L'aigle perché dans un arbre ne pense pas. Ah non, j'ai mangé un lapin hier, je crois bien que je vais attendre qu'un écureuil s'amène. Le mouvement alerte le prédateur. La capacité de figer sur place est un mécanisme d'adaptation qui permet au lapin de passer inaperçu. Si le lapin a fait son apparition dans votre vie et que nous ne savons pas trop que faire, ne bougeons pas. Ben, c'est ce qui est un peu demandé dans rester à la maison, dans ce confinement. Mais ça ne veut pas dire que nous devons nous figer et tout cristalliser. Par contre, le lapin va nous apprendre à rester immobile sans aller dans la cristallisation intérieure. Il va nous enseigner un mouvement ou une assise intérieure pour ne pas cristalliser, pour ne pas figer et pour patienter. On parle d'un cycle de 28 jours. Et là, on le dit, d'ici 28 jours, nous saurons précisément où il faut aller ou ce qu'il convient de faire. Alors, par rapport au corona, par rapport à ce qu'on vit, je ne peux pas vous dire 28 jours ou pas, j'en sais rien. Mais par contre, ça nous enseigne aussi que tout est un cycle et qu'il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser la possibilité cellulaire au niveau de la transformation. Les cellules se régénèrent au bout de quoi, 28 jours. Et c'est un cycle. Et c'est intéressant de le recontacter à l'intérieur de nous. Son apparition signale le début d'un cycle de fertilité dans notre vie. Si ce cycle est riche en possibilités, nous devons nous montrer patients, laisser le rythme de la nature travailler pour nous. Ce n'est pas le moment de forcer le mouvement. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais par rapport à laisser le temps au temps et au cycle de la vie. Le lapin nous aide à reconnaître les indices de fertilité dans notre entourage et à nous harmoniser au cycle lunaire de façon à en ressentir les bienfaits. Cela contribue en retour à nous rendre plus créatifs dans toutes les sphères de notre vie. D'ici un mois, nous verrons poindre les premiers signes de croissance et de changement. Alors, je pense aussi aux personnes qui ont des projets, qui ont des envies. Le lapin va nous permettre de trouver la patience nécessaire, le positionnement, l'assise nécessaire intérieurement, parce que tout se passe à l'intérieur de nous, pour être en paix, pour accepter que ce cycle se fasse et que les projets arrivent à fruit ou qu'on puisse progresser dans nos projets. Et c'est un bel apprentissage. Qu'est le lapin? Alors on va aller dans l'activation, on va aller dans le vécu, dans le vivre à l'intérieur et je vais vous, comme d'habitude, je vais vous partager ce que je vis dans l'instant, tout en sachant que le lapin, je l'ai déjà activé et je l'ai déjà en moi sur tous mes plans de conscience. J'annule mes stratégies de dissociation face au lapin. Je reconnais et j'accepte sa vibration dans mon aspect cosmique et tellurique. Alors moi, ça me pose et tout de suite, là, je vois un aspect de moi en lien avec la prolifération. Peur que ça prolifère. C'est marrant, hein?
Alors, si on prend dans un aspect pécunier, argent, tu te dis, ah ben non, faut être con, hein. Franchement, on a envie que ça prolifère, c'est encore se priver de l'abondance. Puis dans un autre aspect, à l'heure actuelle, par rapport à la peur planétaire face au coronavirus, ben, on a peur que le virus prolifère. Et pourtant, j'ai envie de dire que le virus, on l'a tous déjà en nous, puisque l'extérieur est le reflet de notre intérieur. Qu'il est là, qu'il est présent en nous, et comme je l'ai déjà dit maintes et maintes fois, vous pouvez lui parler, vous pouvez lui demander qu'il s'active à l'intérieur de vous pour l'utiliser en outil alchimique, en conscience. Vous pouvez même parler à votre corps pour que l'intégration se fasse en douceur et transformer ce qui a transformé en lien avec la vie, la mort, les suicides manqués, l'absence de vie, l'absence d'amour, parce que tout est relié en fin de compte. Et là, on va aller dans l'activation cosmique. Je demande l'activation du lapin sur le plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Je demande au plan 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans inférieurs à l'infini. Zéro, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11, moins 12, moins 13, moins 14, moins 15, moins 16, moins 17, moins 18, moins 19, moins 20, moins 21, moins 22. Je demande au plan moins 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans supérieurs à l'infini. Alors là, c'est toujours pour moi, toujours la même peur face à la prolifération, mais prolifération de ce qu'on ne veut pas. Ça m'amène à un besoin de contrôle, de non-confiance à la vie. Et c'est ce que le lapin est en train de me montrer maintenant. Des parts de moi qui n'ont pas confiance en la vie et qui ont besoin de contrôler, de dire non ou oui. Et je rigole parce que c'est exactement ce que j'ai vécu en totale transparence vis-à-vis de mon agenda. Actuellement, j'ai beaucoup de demandes d'accompagnement, de soins, voire même de suivi au niveau des soins. Et du reste, ça sonne parce que dans un quart d'heure, j'ai quelqu'un en accompagnement. Et ça fait qu'il y a un certain temps d'attente. Alors, c'est pas énorme parce qu'à toute personne que j'ai demandé, on me dit non, ça va. Donc d'habitude j'essaie de prendre au plus vite, même dans la semaine, et là ça peut être 10 jours. 10 jours d'attente, ça dépend des moments, parce que plus que temps, je ne peux pas non plus. Et je dois trouver le juste équilibre. Et j'étais là en disant, mais non, mais j'en peux plus, ça prolifère. Voilà, trop, trop de demandes. Et j'étais mal vis-à-vis de ce trop de demandes en disant je peux pas le faire tout de suite. Enfin, il y a tout un mécanisme qui s'est mis en moi jusqu'au moment où j'ai dit bon ben je confie l'agenda à non pas à Anne Chantal l'humaine, mais vraiment à ma. Je confie l'agenda à la vie, en gros, c'était ça. Et je laisse faire la vie pour remplir l'agenda. Et là, vraiment, il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer où je lâche, où d'un coup je prends plus de personnes sur la journée, où mon emploi du temps se modifie, et en fin de compte, ça revient au même. Et j'ai retrouvé la paix face à ça, mais je l'ai vécu ça la semaine passée, où pour moi c'était vraiment une culpabilité de ne pas prendre tout le monde dans l'instant, tout de suite là, parce qu'en disant que c'est des gens qui ont besoin. Après, j'ai lâché, j'ai amené ça à la vie,
et je vois que ça s'équilibre et que quand je dois prendre une personne, j'ai une date qui clignote ou j'ai un espace qui, et si c'est tout de suite, j'ai automatiquement le temps pour le faire parce qu'il y a une annulation. Enfin, ça s'harmonise tout seul. Mais si on parlait de prolifération tout à l'heure, peur de cette prolifération, ben c'était tout à fait ça. Pourquoi? Parce que j'avais pas le temps. Et c'était un manque de confiance en la vie. Et je ne laissais pas la vie me traverser, au fait. Je voulais contrôler, maîtriser, au lieu de laisser la vie me traverser. Et puis faire la statue, un peu comme le lapin, qui nous enseigne justement cette assise intérieure en disant, mais bouge pas et observe ce qui se passe. Et la vie le traverse. Il ne fige pas la vie en lui. Il ne fige pas sa respiration. Et c'est ça qui a enseigné, et c'est ça que j'avais envie d'aussi. Ben voilà, c'est l'occasion de partager mon expérience avec vous. Expérience de quelques jours. Voilà pour le lapin. À partir de demain, je vais reprendre les tirages des plantes. Où là, je vais tirer au fur et à mesure. Parce que là, j'ai un peu suivi mon intuition et la dynamique et la thématique de Pâques. Je me regarde et je rigole parce que je trouve ça trop rigolo de changer les couleurs. Enfin bref, je vous assure que si vous pouviez sentir ce qui se passe à l'intérieur de moi, ça pétille uniquement parce que je me vois dans des couleurs différentes. Et je trouve ça très drôle. Enfin, il m'en faut peu pour trouver ça drôle. Encore une chose, si vous pensez que mes capsules peuvent aider des personnes que vous connaissez, n'hésitez pas à partager. Abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous recevez directement l'info sur votre portable ou sur votre tablette. C'est simplement cliquer sous le bouton s'abonner, c'est un bouton rouge, sauf erreur, sur YouTube. Et puis voilà. Puis moi, je vous souhaite vraiment une belle intégration. Prenez soin de vous et à demain. Gros bisous!